Eh bien, salut tout le monde, c'est Black Paradise. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de notre Let's Play sur Rayman Legends. C'est parti. Alors les amis, dans quel monde allons-nous aller? Je propose de continuer dans notre petit monde numéro 1. Voilà, où la dernière fois nous avions fait 2 niveaux. Et on va rentrer dans le troisième tout de suite, sans plus tarder, pour découvrir un petit peu ce qu'il nous réserve. Hop, tiens, prends ça, on commence directement, on est chaud. Pour entrer en mode photo, appuyez sur le pad. Bon, on va pas faire de photo maintenant, on fera des photos souvenirs plus tard. Attendez, il y a quelque chose en bas, non? D'accord. Attendez, là, il y a quelque chose. Yeah, j'ai obtenu toutes les récompenses. Toutes les récompenses. Alors, je vais bien regarder un peu partout pour voir si je loupe pas de petits bonus. Waouh. Ah, un cœur en plus, génial. Alors, la petite fiole qui est ici est un bonus et ça nous permet, attention, d'avoir un cœur en supplémentaire, ce qui est plutôt une bonne chose, ma foi. Alors, attendez, avant d'aller là, on va récupérer la pièce qui est en haut, la pièce de bonus. Ah! Qu'y a-t-il? Il n'y a rien du tout en haut? Ah, dommage. Bon, on va aller là. Ah, bah attendez, hey, j'en étais sûr, il y avait forcément quelque chose, c'était obligé. Voilà, hop, un bonus. Aïe, prends ça, c'est bon. Ouh, attention, attendez, j'ai pas bien vu. Ok, d'accord, je suis mort directement. C'est pas grave, on recommence. Alors, on va essayer d'obtenir la pièce bonus. Pour rappel, les pièces bonus nous rapportent des... Ouh, j'ai oublié de tuer celui-là. Nous rapportent des... Hop. Des pièces supplémentaires, voilà, tout simplement. Des lumes supplémentaires. C'est parti. Donc, c'est vrai que les amis... On n'a pas pu trop analyser les niveaux depuis le début, j'ai été dans la folie totale et j'ai pas trop analysé les niveaux. Mais on est dans un niveau plutôt sympa, de type jungle. Ah bah si, j'en avais parlé la dernière fois, que c'était un niveau de base, un niveau le genre de niveau qu'on mettait au début des jeux d'aventure. Et de plateforme, parce que finalement, c'est un niveau de type jungle. Mais alors à quoi ressemblent les ennemis? Je me demande bien, parce que finalement, on les attaque les ennemis, mais à quoi ils ressemblent véritablement? J'ai même pas réussi à le voir. Attendez! Ok d'accord, un marteau, c'est génial. Ce jeu est génial. Yeah! Ah, cool pour l'instant. Ah, d'accord. Je fais gaffe. Oh, tiens, prends ça. Navet. Ouf, attention. Le petit piège des familles. J'ai l'impression qu'on est plutôt super bon depuis le début du niveau là. On obtient pas mal de. Oh, attendez. Mais non. Je vais dans la direction opposée. Non, attendez! Il me faut ça. Ok, nickel, je les ai eus. Hop, tiens, on va aller livrer notre petit pote. Salut poteau. Ah, nickel. Salut l'ami. Bon, ça commence bien. On est à la moitié du niveau. On a tout ce qu'il nous faut. Oh, qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, j'en étais sûr. Alors, petite analyse en direct. À votre avis, que signifie cette espèce d'ennemi? On dirait un espèce de gobelin. C'est assez bizarre. Ou un troll. Ou je ne sais quoi. À foi. Et c'est assez étrange. Bon, alors. C'est parti, j'ai la voix défoncée, c'est dingue, hein, mais depuis 2 semaines maintenant, j'ai la voix totalement défoncée. C'est... Ouh, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Oh, il massacre... Ah là 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 là, ses ennemis. Oh, attends. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ok, c'est bon. On va y arriver. Ah, le dernier passage secret. Allez, c'est parti. Bon, on les massacre. Tornade tourbillonnante. Hey. J'ai zappé, j'ai pas pris les lumes qui étaient au-dessus. Bon, c'est pas grave. Fais-moi un petit cœur. Yeah, nickel. Allez hop. Bon bah il nous en reste plus qu'un à voir. À votre avis, il est où? Est-ce que vous pensez qu'il est là? Il est peut-être en haut. Ou alors il est peut-être ici. Oh ouais, j'en étais sûr. Mais regardez-moi ça. C'est une dinguerie. Bon, est-ce que je vais avoir des petites pièces bonus? Parce que là, il me manque 3 pièces. Yeah. Allez, bon bah c'est bon. Premier niveau les amis où on a obtenu tous les petits êtres. Donc pour rappel, les petits êtres, c'est ces petites créatures que nous aidons et que nous délivrons dans le niveau. Et les lums, ce sont ces petites lumières jaunes qui finalement nous sont bien utiles pour avoir des trophées et des tickets à gratter. Perfect, vous avez obtenu un nouveau trophée. Ah ça c'est cool. Ça c'est plutôt sympathique ma foi. Bon bah nickel, 5 minutes de vidéo et hop, on a déjà terminé notre premier niveau. On va maintenant pouvoir découvrir une nouveauté dans ce jeu, dans ce Rayman Legends. Une nouveauté sur les personnages. Comment délivrer, comment débloquer plutôt un personnage sur Rayman Legends. Rien de plus simple, rien de plus facile.
Félicitations, tu as débloqué le monde, Fiesta de los Muertos. Et les petits êtres, ont besoin de toi là-bas. D'accord, on ira voir après, hein. Bravo, Black Paradise 2, tu viens d'atteindre le premier niveau de génialitude. Et hop, 1000 lums pour fêter ça. Alors là, ce qui est cool, c'est qu'on a obtenu un bonus de 1000 lums, ce qui nous fait 3000 lums, ce qui est plutôt sympathique. Bon, alors, par où on y va? Allez, la fiesta commence. On va faire ce niveau. Vous voyez qu'on est entré dans une porte... Oula, attendez. On est entré dans une porte avec une ombre assez mystérieuse d'une guerrière, apparemment, d'une... Ah, appuie sur rond. D'une guerrière, je sais pas, il y avait une ombre assez étrange. Et donc il y avait un niveau et je suis dans la précipitation rentré dedans. Attention, 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 attention. Ouh, comme vous le voyez, c'est un niveau. Alors j'arrive pas à retenir le nom de ce genre de niveau. Vous savez, dans les jeux de plateforme, ces niveaux où finalement c'est pas qu'on a un temps à partie. Oh, je viens de me suicider. Le suicide est-il une idée suisse? On comprendra qui pourra. Bon, alors. Hop, toi c'est bon. Donc dans ce niveau là c'est assez spécial parce qu'il n'y a que 3 petits êtres à débloquer, 3 petits êtres à délivrer. Oh là là, attention. Quel sonneau. Écoutez-moi ce fond sonore, c'est juste magnifique. Des fois même moi je me tais, je me dis oh, Black, arrête de parler et écoute la musique qui est juste dingue. Ok d'accord. J'ai le respect, je l'ai enterré là. J'ai été assez rapide apparemment. Allez, let's go. Attendez, non. Ah mais c'est nul, là je suis en train de... J'oublie toutes les lus. Oh, vite, 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 vite. Ok, c'est nickel. Wow, ça va vite, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Alors si je dis que ça va vite maintenant, imaginez à la fin du let's play les amis, ça va aller ultra vite, ça va être ultra rapide. Et bim. Je vais vous montrer un petit peu le son de ma télé. Parce que vous, bien entendu avec l'enregistrement, vous entendez le son parfaitement bien. Et moi j'ai du mal. J'ai du mal à l'entendre. Bon. Yanki, c'est nickel. 280. Ah ouais, c'est dommage, on y était presque. On était presque, bon c'est pas grave. Barbara est libre. Ok, d'accord. Donc apparemment, Barbara est libre. Mais alors, qui est Barbara, les amis? On va le voir tout de suite. Mademoiselle, bonjour. Oh, elle est rousse, elle a des grains de beauté. C'est une guerrière, putain. Moi, ça me rappelle un peu... garder ce héros, essayer d'autres héros. Donc on va aller dans essayer d'autres héros. Et moi, ça me rappelle, vous savez, Rebelle, la princesse de Disney. Elle est aussi rousse et elle est aussi intrépide, vaillante. C'est une guerrière, finalement. Donc voilà, on a débloqué Barbara qui est juste ici. Moi, j'ai l'habitude de jouer Rayman, qui est juste là. Et en fait, il y a pas mal de personnages que je vous avais montré dans le dernier épisode. Là, nous avons un nouveau Rayman. Alors, vous voyez, je vous l'avais dit, hein, quand on a 5000 lums, 9000, 14000, bref. Quand on a un certain nombre de lums, finalement, eh bien, on débloque des nouveaux personnages. Comme quoi... Pour une fois qu'il y a un jeu de plateforme où finalement on... Vous savez, bah, dans tous les jeux de plateforme, la plupart du temps, il y a des pièces dans les niveaux. Enfin, on retrouve pas mal de pièces. Et ces pièces, souvent, servent à rien. C'est juste des pièces comme ça. À titre de comparaison, je vais prendre le plus grand rival de Rayman, chez Nintendo. Mario, il y a plein de pièces dans Mario. Mais dans plusieurs Mario, les pièces ne servaient pas à grand-chose. Et bien finalement, en fait... Ou alors si, à avoir des vies, bien entendu. Hein, ça, c'est une base. Et en fait, dans ce Rayman, les pièces servent tout simplement en dehors des niveaux pour obtenir pas mal de petites choses. Bon. Encore des, d'accord. On va aller sur ce niveau qui est de catégorie 2 têtes de mort, ce qui signifie qu'il est plutôt facile. Normalement, il est plutôt facile. En tout cas, je pense que les premiers niveaux du let's play vont être faciles. Oh là là là, j'ai eu une petite peur. Attention. Attention, non. Je veux ces pièces. Ok, c'est pas grave. Allez, let's go. En fait, si vous regardez bien, finalement... Oh, salut. C'est parti. Si vous regardez bien Rayman, en fait, finalement... Bon, alors déjà, Rayman est un de mes jeux de plateforme, un de mes jeux préférés de plateforme. Je pense qu'en niveau qualité des niveaux, en ce qui concerne la qualité des niveaux, je pense que Rayman est... Oh, mais regardez, attendez, je continuerai tout ça après. Oh, mais c'est énorme. C'est énorme. En ce qui concerne la qualité des niveaux, Rayman est franchement... La licence Rayman fait partie de mes jeux de plateforme préférés parce que... Je vais pas l'avoir celui-là, hein. Je vais pas l'avoir, je vais pas l'avoir, je vais pas l'avoir, non, c'est dommage, c'est dommage. J'aurais trop voulu l'avoir, mais je me suis mal démerdé. Hop. Enfin, en termes de qualité de niveau, et même graphiquement, je pense que l'univers de Rayman est l'univers qui me charme le plus dans les jeux de plateforme. Et Dieu sait que j'aime les jeux de plateforme, je vous le fais pas dire. Après, j'aime beaucoup aussi Little Big Planet, qui est un genre à part, parce qu'en fait, Little Big Planet se veut être un jeu de plateforme qui...
qui symbolise en quelque sorte une balade. C'est-à-dire que, en fait, sur Little Big Planet, vous vous baladez. Les jeux sont une balade. C'est pas réputé pour leur difficulté. Attendez, je vais mourir. Non, je suis mort. Ok, c'est pas grave. Little Big Planet est plutôt une licence qui se veut pour être poétique, pour être vraiment plus facile, mais d'un autre côté, pour être aussi, du coup, plus... Ouais, c'est une grande balade, en fait, si vous voulez. Alors que Rayman allie à la fois la beauté des niveaux, parce que franchement, les niveaux de Rayman sont juste magnifiques, je trouve, et de plus, la difficulté qui est vraiment présente, hein, disons-le. Hop. Mais en fait, si vous regardez bien, les niveaux de Rayman sont aussi... Oh là 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 là, mais je loupe tout, hein, moi. Je loupe tout dans ce niveau-là. Ça mérite un suicide. Ok, d'accord, j'aurais voulu me suicider avant. Voilà, je vais me suicider ici. Les Rayman allient à la fois la difficulté ainsi que la beauté des niveaux. Bref, c'est ça que j'aime beaucoup, finalement, dans cette licence. Donc voilà, et à titre de comparaison aussi, Mario est un jeu qui allie la beauté des niveaux ainsi que la difficulté. Enfin, Mario, c'est totalement différent, c'est Nintendo, donc c'est ça... J'y ai pas assez joué pour exprimer mon avis sur le... Oh non ! Sur le monde de Mario. Mais c'est aussi des jeux de plateforme classiques, parce que c'est un peu ce qui a lancé le jeu de plateforme dans l'univers du jeu vidéo. Bon, après, il y en a plein des jeux de plateforme, il y en a plein des super bons, des super originaux, que d'ailleurs sur PC, il y en a pas mal d'indépendants, de jeux de plateforme indépendants très bons, que j'aime beaucoup. Bon, bref, je vais pas tous les citer. Donc là, on se retrouve donc avec notre Eman, hein, comme d'habitude, dans notre petite jungle, ça n'a pas changé, à ma foi, éclater des ennemis. Alors, j'ai de la chance d'avoir pu déjà jouer au jeu avant, bien sûr, et donc d'avoir... Ah oui, merde. Et donc, d'avoir pu... Enfin, de connaître finalement les niveaux, parce que c'est vrai que les niveaux, je les connais, hein, déjà, étant donné que j'ai déjà joué. Mais je pense que si j'avais jamais joué au jeu, je serais mort un peu plus de fois. Mais bon, les niveaux restent dans l'ensemble, les premiers niveaux restent... Ok, d'accord. Ça s'appelle de la chance, hein. On va pas appeler ça le talent, on va appeler ça de la chance. Allez. Ah, nickel. Ok. Voilà, voilà. Bon, bref, et en tout cas, pour terminer là-dessus, les niveaux de Rayman, si vous regardez bien et si vous êtes très attentif, sont faits pour être réalisés assez rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, si vous enchaînez très bien les combos avec notre petite amie qui coupe à notre place les lianes, si vous enchaînez super bien les combos, bah finalement le niveau vous pouvez le réaliser d'une façon très rapide. Regardez, hop, tout est fait pour que tout s'enchaîne. Non, non, non. Ok, c'est bon. Ok, nickel, je me suis dit aussi qu'il y avait un petit passage secret. Le petit passage des familles. Et donc voilà, c'est vraiment une particularité assez intéressante du... Oh, c'est marrant ça. D'accord. Allez. Facile. Trop facile ce jeu. Non, je rigole. Je rigole bien sûr, parce que les derniers niveaux de Rayman sont juste tard, ils sont juste démentiels tellement ils sont compliqués. Donc là je fais mon malin, mais retenez bien ce passage. Bon, alors, là on va utiliser... Alors, si vous ne savez pas ce que je fais en fait pour contrôler... Ouh, salut toi. Salut petits amis. Ouais, j'ai débloqué. Ah, j'en ai oublié deux au début. Non, c'est pas grave. Voilà. Oh, ok, d'accord, très bien. Très bien, très bien. Allez, des petits guillis. Oh merde, voilà. Des petits guillis. Oh, mais c'est trop marrant. Cet univers est trop mignon. Oh, qu'est-ce que tu fais à mon pote, toi? Allez, c'est parti. Bon, on va tout de suite hop, se diriger vers le haut. Oh, mais quelle musique. Une ambiance médiévale, un petit peu. Enfin, je dis médiévale, oui, c'est médiéval. Ça tombe bien parce que j'ai la tenue adéquate de Rayman, médiéval. Alors, hop, c'est bon, on se rapproche à mon avis de la fin du niveau, et hop. C'est beau, c'est beau, c'est magnifique. On n'a pas obtenu tous les petits êtres, mais bon, ce n'est pas grave, on n'a pas délivré tous les petits êtres. Mais on a avancé, on a bien avancé. Alors, 576... Ben, on va être un peu trop juste pour avoir la médaille d'or. C'est dommage, on est toujours trop juste pour la médaille d'or. Peut-être que dans la précipitation... Je n'obtiens pas assez de lums, du coup. Ah, un niveau avec 3 têtes de mort. Donc un niveau qui, normalement, va nous donner du fil à retordre. Ça tombe bien, on ne demande que ça. Bon. Ah, vous voyez que les niveaux sont quand même pas mal longs. Hein. Tu as de nouveaux messages dans ta valise. Ouvre-la maintenant en appuyant sur triangle. Voilà, dans la valise sur triangle. Elle est où, sa valise? Rayman, ta valise, elle est où?
Bon. Allez, petit instant grattage de tickets. C'est génial. Allez, je vous mets le bruit de la manette, attention. Je kiffe, je kiffe. PlayStation 4, quoi. Je kiffe, c'est énorme. C'est trop bon. Comme quoi, ce pad tactile ajoute quand même un élément de gameplay au jeu, ce qui est quand même assez intéressant. Attention, et ah, voilà, enfin. Ça me fait plaisir. On va pouvoir finir la vidéo un peu plus tard avec Back to Origins, qui est une nouveauté aussi de ce Rayman Legends. Que je vous montrerai en fin de vidéo. On va continuer tout de suite avec un troisième niveau. Je crois que c'est le troisième. Oui, c'est le troisième. Dans le... Ah, on a changé de décor. Mais attends, mais pour qui il se prend celui-là? Ah, mais vous voyez, voilà, je pense que c'est pour ce genre de petite scénette que finalement Rayman reste l'un de mes jeux de... Oh non, je l'ai eu. Reste un de mes jeux de plateforme favoris finalement, parce que il y a un humour en fait. Rayman, c'est un humour, c'est décalé, et c'est un humour qu'on retrouve vraiment dans Little Big Planet, qu'on retrouve un peu moins finalement dans Mario, mais c'est un humour qu'on retrouve pas mal finalement dans les jeux vidéo en général. Ok, d'accord, je l'ai pas eu. Ce genre d'humour où on n'a pas besoin, oh là 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 là, je rate tout moi. Ce genre d'humour où, vous savez les amis, on n'a pas besoin de la parole pour faire rire, on a besoin juste de quelques petites scénettes amusantes, ma foi. Fort amusantes. Allez. Allez. Oh, nickel. Allez, on s'enfuit. Allez, c'est quoi, on prend. Bon, alors, en fait, c'est vrai qu'il y a pas mal de petits... Comment dire, De petites astuces dans le gameplay, en fait, pour aller plus vite, si vous voulez. Je vous l'avais dit, hein, Rayman est beaucoup axé... C'est un jeu beaucoup axé sur la... Ouh là, t'as salué quoi. Beaucoup axé sur la vitesse. Hélas, bah, on peut déjà commencer à le ressentir un petit peu... dans ce genre de niveau que je suis en train d'accomplir plutôt tranquillou, ma foi. Attends-moi, attends. Mince, je l'ai pas pris. C'est pas grave. Ah oui, vite. Non, reviens. Ok, c'est bon, lui. Il y a pas mal de petites astuces dans le gameplay qu'on peut... qu'on peut très vite voir. Je vais vous montrer tout de suite. Ok, d'accord. C'est utiliser, ma foi, toutes les... Les combos, en fait, utiliser les combos dans ce jeu, c'est l'astuce pour aller plus vite. Par exemple, ah, vous voyez la petite tournade? C'est une tournade qui, ma foi, je vais montrer cette tournade. Attendez, je vais vous la refaire. Celle-ci là, c'est une tournade combo qu'on utilise pour tuer des ennemis, ma foi. Mais en fait, on peut faire autre chose. Mis à part tuer des ennemis, elle peut nous servir à aller beaucoup plus vite, enfin beaucoup plus vite, un peu plus vite. Si on... Oh, attends, 30 secondes, voilà. Si vous regardez bien, quand je tourne, je vais beaucoup plus vite. Donc ça, c'est un élément du gameplay qui nous permet d'aller plus vite et donc qui nous permet de... Elle aurait dû faire ça dès le début, hein. Je t'ai fait avoir, hein. Bref, vous voyez, quand je fais tourner Rayman, quand il utilise sa tournade, ça lui permet d'aller beaucoup plus vite, enfin un peu plus vite, mais à terme beaucoup plus vite. Et c'est un élément du gameplay qui va être très intéressant en fin de jeu. C'est-à-dire qu'à la fin du jeu, quand je serai vraiment dans les derniers niveaux, si j'utilise pas ce genre de petite astuce pour aller plus vite, bah j'y arriverai jamais. Vous allez voir. Oh, j'ai pas été doué par contre au niveau des lumes sur ce niveau, j'ai eu que 447. Ce qui est vraiment nul, c'est même pas... Ouais, c'est pas terrible. Mais bon, on a quand même eu le trophée argent, ce qui est pas mal. Et bon, si vraiment on a besoin des tickets ou des machins et des trucs, je le ferai hors caméra, y'a pas de problème. Félicitations, tu as débloqué le monde. Tu as débloqué le monde 20 000 lumes sous les mers. Excellent jeu de mots. Et les petits êtres ont besoin de toi là-bas. Ok. Très bien, très bien. Bon. Pour débloquer un nouveau personnage, il va nous falloir un peu plus de petits êtres. Donc, on va quand même dire... Bah, on va commencer, voilà. Le niveau à 4 têtes de mort. Donc, à mon avis, c'est un niveau plutôt compliqué. Quoique. Et je vais vous montrer des petites astuces pour aller un peu plus vite, je pense, dans ce niveau. Quoique, je sais pas si ça va être le niveau adapté, finalement. Salut! Notre petit ami! Allez. Voilà, pour aller plus vite, je vais utiliser ceci. Oh mince! Je suis vraiment bête. Voilà. Vous croyez qu'on peut le faire? Moi, je pense qu'on peut le faire. Mais non. D'accord, on a pas tout fait. J'ai pas compris. Il y avait trop de choses dans le décor, du coup je me suis dit, j'étais complètement déconcentré, je me suis dit, oh, il y a plein de choses. Et j'ai pas vu le truc. Ça peut paraître bête comme ça, mais c'est vrai. Salut, voilà. Bref, il y avait plein de petites astuces finalement pour aller un peu plus vite.
Écoute, si j'arrêtais de crever, moi. Non, mais à chaque fois j'oublie des pièces, j'oublie plein de pièces, c'est dommage. C'est bien dommage. Bon, allez, on continue, on y va, on y va. Faut que j'arrête de me précipiter, moi. On combo, on fait des petits combos. Allez, hop. Nickel. Ah, attendez. Ouais, je me suis dit aussi, attendez, attendez. Quand même, on me la fait pas à moi, on me la fait pas à moi. quand même, s'il vous plaît. À mon âge. Bon, allez, hop, on va aller en bas et puis en haut pour... Oh là là. Prévisible, hein. Après, ça devient presque prévisible finalement, ces petits niveaux bonus, mais c'est tant mieux, c'est tant mieux. C'est-à-dire que finalement, on a compris le jeu, on a compris comment les développeurs font pour cacher leurs petits endroits. Allez. On est parti. Alors. Ouh, attention, ça tourne, ça me rappelle pas mal de petites choses. Ça, c'est aussi assez singulier à l'univers de Rayman. Ça, c'est ce genre de petits niveaux avec des roues, on en retrouve pas mal et c'est super original, je trouve. Yeah, nickel. Allez, on va continuer le niveau. Oh, un petit cœur, c'est cool. Même pas besoin de mon poteau. Même pas besoin. Alors là, c'est la même chose. Oh, non, non, non. On va tenter un truc. Mais non! Je me suicide, je m'en fous. Je me suicide. Allez, c'est pas grave. Parce que regardez. On n'allait pas louper ce qu'il y avait en haut. Voilà. Et quand même, on sauve tout le monde. On a dit qu'on sauvait tout le monde. Allez, hop, c'est parti. Bon, on va continuer tout de suite. Avec, alors c'est marrant, mais comment est-ce qu'ils peuvent planter un navet dans le sol alors que c'est de la pierre? J'arrive pas à comprendre. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Expliquez-moi. Oh, le salaud. Le salaud. Ok. Voilà. On va aider notre poteau, attention. Ah, nickel, nickel. Bon, on l'a aidé, c'est bon. Ah mince, on a oublié un petit être au début du niveau, apparemment. Bon, bah, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Y'a quoi de beau en bas? Étrange. Bon, on continue. Waouh, attention, ça s'accélère. J'aime beaucoup les accélérations comme ça, je trouve ça trop bien. Ok, d'accord. Bon, par contre, ça c'était moins bien. C'était moins bien. Bon. Toi, c'est bon, le navet. Ok, on continue. Donc, la tornade, le premier. Le deuxième. Le troisième. Le quatrième. Et le cinquième. Bah nickel. Ok, bon. Ah, et c'est là où j'aime beaucoup, franchement, ce remake sur PS4. C'est que... Oh, merde, oh là là, j'oublie tout, bon, c'est pas grave. C'est que finalement, on aperçoit que graphiquement, ça envoie du pâté, quoi. C'est plutôt pas mal. Mais non. Je vais jamais y arriver, hein, je vais vraiment jamais y arriver. Faut que je concentre. Allez, on se concentre un petit peu. Concentration. Ok, d'accord, je l'ai pas eu. Quoi? Ok, d'accord. J'ai pas compris ce qui s'est passé. On y va, maintenant on connaît le niveau. On y va, on est chaud. Ok, on a délivré notre petit poteau. Ok, nickel, on est bon. Oh là là. Oh, attention, la fumée. Oh là là, la pièce, c'est magnifique, c'est beau. On devrait faire des commentateurs sportifs pour ce genre de jeu. C'est génial. Hop. Oh, attention. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Oh là là. Bah dis donc. Bah dis donc. On continue. Il y a des méchants partout. Il y a des méchants vraiment partout. Ok, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Je sais pas. Non. Pas. Ok, là c'est bon. Nickel. Alors les rondins de bois apparemment ne craignent pas le feu, c'est nouveau. De toute façon, dans Rayman, les lois de la gravité, les lois de la physique, les lois de tout ce que vous voulez, toutes les lois... Scientifiquement, c'était impossible. Ah. Il a plus l'essence. Il a plus d'huile. Oula, attention. Oh, oula, vous le sentez là, le petit boss, le mini-boss, le je ne sais pas comment on appelle ça. Mais le parcours très dangereux qu'on va devoir affronter, moi je le sens. Je le sens plutôt bien même. Ok, bah on a déjà perdu. C'est génial.
Voilà, on peut passer parce qu'on l'a déjà vu. Ah ouais, c'est énorme. J'avais oublié ce type de niveau. Donc là, en fait, on a été béni par la fée, je ne sais quelle fée. Donc, on va pouvoir lancer des points, des punchlines, sans mauvais jeu de mots. Et ces punchlines, en fait, sont humidifiées, sont aquatiques, je ne sais comment dire. Donc du coup, non, punchline, ok, d'accord. Et donc, du coup, en fait, on va pouvoir lancer des espèces de petits coups de poing, imbibés d'eau, si je puis dire. Et on va en profiter pour éteindre les dragons. Les dragons sont remplis de feu, hein, bien sûr, ils crachent du feu. Ce serait pas marrant, sinon. Ok, let's go. Allez, attention, attention. J'aime bien ces niveaux, quoi, avec cette petite sensation de vitesse. Je trouve ça super cool. Est-ce que c'est déjà fini? Ah, c'est déjà fini, c'est cool. Bon, nickel, nickel. Bah, il nous manque deux petits êtres, hein, si je ne dis pas de bêtises. Deux petits êtres. Et on a encore loupé le trophée or à 14, non, même pas 16. À 16, 16 lunes. On était à 16 lunes de l'avoir. Décidément, c'est le niveau de je ne sais pas, c'est l'épisode plutôt, où on n'aura pas obtenu de trophée or. Parce qu'il nous manquait une dizaine, ou deux, ou trois, ou cinq lumes pour avoir le trophée. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, voilà. Bon, avant de quitter l'épisode, les amis, on va tout de suite aller jeter un coup d'œil à la nouveauté qu'on a débloquée. On va regarder un petit peu ce qu'on fera. Dans le prochain épisode, nous ferons le cracheur de feu, qui est un niveau 4, qui est un tableau niveau 4. Et après, on fera ceci. Bath and the Rock, ou Castle Rock, qui est un niveau musical. Et qui les niveaux musicaux sont les meilleurs dans ce jeu-là. Je vous le promets. Tu viens de gagner une créature. Pas mal, pas mal. Pas mal du tout. Nouvelle créature débloquée. D'accord, on va aller regarder ça tout de suite. Et donc voilà, on a obtenu notre nouvelle créature juste ici. Et je crois qu'on a une nouvelle aussi tout au fond. Alors, vous voyez que les petites créatures, on va commencer à en avoir un petit paquet à force de cumuler les tickets dans le jeu. Et les créatures nous donnent des lumes tous les jours. Donc en fait, c'est quelque chose qui nous donne envie de revenir tous les jours pour obtenir des petites lumes et plein de petits points et des nouveaux persos et plein de choses. On a obtenu un nouveau personnage. On va regarder ça tout de suite. Ah, pas mal. J'aime bien aussi les petits êtres, ils sont vraiment sympathiques. J'essaierai de les jouer dans le prochain épisode. Nouveau tableau retour aux origines. Nouvelle porte ouverte. On va aller regarder ça tout de suite. Ah, ok, on a une nouvelle porte. C'est quoi? Ah oui, okay. C'est une nouvelle porte pour débloquer un personnage. Donc on verra ça plus tard. Et nouveau tableau retour aux origines débloqué. On va regarder ça tout de suite. Voilà, allez hop. Bon, alors avant de se quitter les amis, on va regarder deux choses. Donc la première, ah voilà, nickel. Ok, d'accord, très bien. On va revenir aller à la galerie principale, voilà. Donc, on a obtenu deux nouvelles choses. Donc, premièrement, 20 000 lumes sous les mers. Ouais, 20 000 lumes under the sea. Et donc, deuxièmement, ce qu'on a obtenu, c'est ceci. Et c'est un truc que je trouve génial. Back to Origins, retour aux origines. Qui est finalement Rayman Origins. Alors, si vous avez joué à Rayman Origins, tous les niveaux, ou l'ensemble des niveaux à peu près, de Rayman Origins sont dans ce jeu. C'est-à-dire que quand vous achetez Rayman Legends, vous avez les niveaux de Rayman Origins en version bien sûr beaucoup plus moderne, en version avec des graphismes plus modernes, mais ça reste les mêmes niveaux dans l'ensemble, avec juste peut-être les bonus qui changent, ils sont pas au même endroit, mais bon voilà. Donc finalement on a voilà des tableaux, des vrais tableaux hein, vraiment. Avec, bah voilà, en fait c'est comme si on avait deux jeux dans un jeu, c'est ouf, c'est génial, c'est dingue, c'est la folie, c'est génial, voilà voilà. En tout cas les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu, l'épisode numéro 2 de notre Let's Play sur Rayman Legends. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire et de vous abonner. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour la suite. Salut tout le monde, c'était Black Paradise, ciao.